De nouveaux combats entre l'armée et les islamistes en Libye. Ces affrontements ont fait au moins 9 morts et une cinquantaine de blessés hier dans l'est du pays. Les militaires ont ordonné aux habitants de ne pas sortir dans les rues, mais selon l'agence officielle l'ANA, des habitants en colère ont néanmoins saccagé un bâtiment appartenant au groupe islamiste Ansar al-Sharia dans la région de Benghazi. Une situation intolérable pour le vice-premier ministre libyen. Ce qui s'est passé montre clairement la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de la résolution 53 pour l'année 2013, à savoir évacuer tous les groupes armés de la ville et soutenir la sécurité avec l'aide de l'armée et de la police. Benghazi a été le berceau du soulèvement de 2011 ayant abouti au renversement de Muammar Kadhafi, mais le pouvoir de transition mis en place depuis peine à imposer son autorité aux milices et aux groupes islamistes présents dans le pays.